le monde. Je suis Joëlle Cacou de l'Unithéâtre. En cette fin d'année 2020, je voudrais vous remercier pour votre soutien et votre accompagnement, tous autant que vous êtes bailleurs de fonds, partenaires, organismes parapluies, commanditaires, artistes, professionnels du spectacle et bien évidemment, vous, les membres de l'Unithéâtre et nos volontaires, y compris les membres du conseil d'administration. Je voudrais tout particulièrement remercier tous les membres de l'équipe de l'Unithéâtre depuis que j'ai rejoint la compagnie. Cette fin d'année, cette année 2020, a été une année pleine de surprises extraordinaires que nous avons affrontées avec détermination et résilience. À présent que 2021 nous ouvre ses bras, nous voulons vous souhaiter tous nos voeux les meilleurs. Pendant que nous serons très occupés à dépasser nos limites afin d'aller au-delà de vos attentes, afin de vous faire rêver, nous voulons vous souhaiter une année pleine de succès dans tous vos projets, une santé de fer et beaucoup de détermination et d'amour dans la positivité et la paix. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et merveilleuse année 2021. Joyeux temps des fêtes à tous et à toutes et à tous nos amis dans le non-binaire. Je me présente, je suis Vincent Forcier, directeur artistique de l'Unithéâtre par intérim. On est ici parce que on voulait dire merci. Dans ce temps où les choses sont tellement incertaines, il faut au moins comprendre combien on s'apprécie les uns les autres. Puis, ben, nous autres, on vous apprécie tellement. Notre public, nos volontaires, nos artistes. Hey, je vous donne un beau chin-chin. Parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Et c'est dans cet esprit-là aussi, en sachant que les choses n'ont pas été faciles, qu'on aimerait vous offrir un petit cadeau. C'est un petit cadeau qui s'appelle Le Rire. C'est un spectacle sur lequel on a travaillé vraiment, vraiment fort. C'est une situation dans laquelle on se trouve où, des fois, on a un petit peu l'impression que c'est pas facile de rire. Mais là, nous autres, on va vous aider avec ça. Alors, à l'Atelier culturel de Radio-Canada, le 30 décembre, on vous présente Le Rire. Vous allez pouvoir l'écouter ou bien le regarder. Moi, je vais peut-être faire les deux. Puis, j'espère qu'on va pouvoir trouver cette connexion les uns les autres ensemble aussi. Autre que ça, je vous dis, là, gardez l'œil ouvert parce qu'on a beaucoup, beaucoup de beaux spectacles à vous présenter dans la prochaine année. Alors, beau temps des fêtes, puis joyeuses années.